Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue au Centre Vidéotron. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the Vidéotron Center. Dans cette partie de la division féminine, in this game of the women division, portant le chandail blanc, l'équipe visiteuse, wearing the white jersey, the visiting team, the Florida Alliance. Portant le chandail bleu, l'équipe locale, wearing the blue jersey, the home team, the Whitby Wolves. Les arbitres pour ce match, the official for this game, les juges de ligne, the linesmen, messieurs Denis Drolet et Mathieu Arsenault. L'arbitre en chef, the referee, monsieur François Cloutier. On vous souhaite un excellent match, mesdames, messieurs. Have a good game, everyone.
Alors, mesdames et messieurs, pour les détenteurs du programme Souvenir du 64e tournoi international de hockey Peewee, voici un résultat en provenance du pavillon de la jeunesse. Match numéro 224, division W, The Palm Beach Hawks 4, les Ducs de Angers 1. La punition à Florida au numéro 11, Reese Teske. 2 minutes pour avoir fait trébucher à 5 minutes. Florida's penalty to number 11, Reese Teske. 2 minutes for tripping at 5 minutes.
La punition à Whitby au numéro 29, Eilish Arkin. 2 minutes pour mise en échec à 6 minutes 7 secondes. Whitby penalty to number 29, Eilish Arkin. 2 minutes for illegal body check at 6 minutes 7 seconds. La punition à Whitby au numéro 55, Sophia Silva. 2 minutes pour avoir fait trébucher à 8 minutes 29 secondes. Whitby penalty to number 55, Sophia Silva. 2 minutes for tripping at 8 minutes 29 seconds. Dernière minute de jeu dans cette première période. Last minute of play in this first period.
c'est par hasard que je suis tombé en amour à Québec. Ça a été un coup de foudre. My first trip to the Quebec City area happened by chance. And against all odds, it was love at first sight. La punition à Florida au numéro 22, Amy Genet. 2 minutes pour double échec à 52 secondes. Florida's penalty to number 22, Amy Genet. 2 minutes for cross-checking at 52 seconds. Le but de Whitby, compté par le numéro 68. Whitby's goal, scored by number 68, Leah McLean. Avec l'aide du numéro 17, assisted by number 17, Amara Boyd. Le temps du but, 1 minute 13 secondes. Time of the goal, 1 minute 13 seconds.
Dernière minute de jeu dans cette deuxième période. Last minute of play in this second period.
Mes premières vacances à Québec, c'était pour une rencontre. Et contre toute attente, ça a été le coup de foudre. C'était parfait. Jusqu'à ce que... Je peux dire que la région de Québec, ça a été un coup de foudre. I took my first trip to the Quebec City area to meet someone. And against all odds, it was love at first sight. It was perfect. Until... I can honestly say that with the Quebec City area, it was love at first sight.
La punition à Whitby au numéro 26, Jamie Norwood. 2 minutes pour avoir fait trébucher à 3 minutes 54 secondes. Whitby's penalty to number 26, Jamie Norwood. 2 minutes for tripping at 3 minutes 54 seconds. Le but de Whitby compté par la numéro 22. Whitby's goal scored by number 22, Ella Schuster. Avec l'aide du numéro 77, assisted by number 77, Avery Amiot. Le temps du but, 6 minutes 45 secondes. Time of the goal, 6 minutes 45 seconds.
Temps d'arrêt de 30 secondes demandé par Florida. 30 seconds time out by Florida. Le but de Florida, compté par la numéro 22. Florida's goal, scored by number 22, Amy Genet. Avec l'aide du numéro 16, assisted by number 16, Carissa Duck. Le temps du but, 13 minutes 24 secondes. Time of the goal, 13 minutes 24 seconds. Dernier.
dernière minute de jeu dans cette troisième période. Last minute of play in this third period. Une bonne main d'applaudissements pour les deux équipes en présence. Ladies and gentlemen, let's applaud both teams, the Florida Alliance and Whitby Wolves. C'est par hasard que je suis tombé en amour à Québec. Ça a été un coup de foudre. My first trip to the Quebec City area happened by chance. And against all odds, it was love at first sight.